ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon. Tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges. Photo de mes plus belles pièces. La tour Eiffel. Superbe. 8 mois d'effort. Ça se voit. Et vous faites ça le soir, après votre travail? Le soir et pendant les week-ends, dès que j'ai un moment de libre, quoi. Et vous êtes marié? Oui, enfin, non. Tancarville. Magnifique, mais vous êtes marié, oui ou non? C'est-à-dire que ma femme est partie. Ah bon? Avec un ami à moi. Ça arrive, ces choses-là. Un type que j'ai connu au ministère, pas méchant. Un soir, je l'ai amené à la maison, et il lui a plu. Je n'ai pas très bien compris pourquoi, d'ailleurs, parce qu'entre nous, c'est pas une lumière. Combien d'allumettes d'après vous pour un ouvrage pareil? Comment ça, pas une lumière? Le garçon avec qui elle est partie. C'est pas pour dire, mais qu'est-ce qu'il est bête. Allez, dites un chiffre. Mais plus bête que... Enfin, je veux dire, vous êtes intelligent, vous, alors, par rapport à vous. Ah, écoutez, moi, je n'aime pas être grossier, mais là, il faut employer le mot, c'est un con. Mon Dieu. Alors? Excusez-moi, mais je n'arrive pas à croire que votre femme soit partie avec un con. Ah, mais moi non plus. Et c'est un vrai débile. Il ne parle que de planche à voile. Et où peut-on le rencontrer, ce garçon? Pourquoi vous aimez la planche à voile? Mais énormément, je suis passionné de planche à voile. Alors vous allez bien vous entendre avec lui, il s'appelle Jean-Patrice Benjamin. Mais au ministère, on l'appelle Ducon. Vous trouverez son numéro dans l'annuaire. À Benjamin, hein? Pas à Ducon. Alors, combien d'allumettes? 2000. 346 422. Waouh! Hein? Et attendez, c'est pas fini. Combien de tubes de colle? Monsieur Pignon. Oui. On va tout de même aller à ce dîner. Mais vous pouvez marcher. Je vais essayer. Vous avez une voiture? Oui. Alors, si vous me conduisez, on devrait y arriver. Aidez-moi seulement à me lever. Allez, en route. Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf